Voilà, Catherine Jandel, qui est océanographe et géochimiste. Au début des années 80, elle a fait partie des pionniers de la géochimie marine, l'une des disciplines qui contribue aujourd'hui à comprendre les liens entre le changement global induit par l'homme et les changements des écosystèmes et des cycles biogéochimiques marins. Alors, vous êtes entrée au CNRS, Catherine, en 1983. Vous êtes directrice de recherche au LEGOS depuis 1997. Le LEGOS, c'est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale à Toulouse. Vous êtes professeure de classe exceptionnelle, et je le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont des directrices de recherche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai ? Oui, je crois. Oui. C'est dommage quand même. Enfin bon. Ça s'arrange avec le temps. Il y a de plus en plus de femmes et c'est très bien. Alors, Catherine est née d'une mère bretonne et d'un père lorrain. Et elle a des attaches en Bretagne, Catherine, à Lokirek, joli petit port, où elle a passé, où vous passez toujours beaucoup de temps, beaucoup moins maintenant. Oui, dès que je peux. C'est un peu loin de Toulouse. C'est le grand inconvénient d'être à Toulouse, c'est que c'est une très très belle ville, mais Lokirek, c'est vraiment loin de Toulouse. Mais dès que je peux, oui. Et depuis quel âge vous y allez ? L'âge de 4 ans. Et ce goût pour l'océanographie, pour la mer, c'est venu de là. Clairement. Je sais que vous faisiez de la pêche à pied, oui. En famille. Oui, et j'étais plutôt contemplative. Et les petites mares dans les rochers où il y a les algues, les oursins, enfin où il y en avait beaucoup, parce que... On en a discuté. Oui, il y a Gwen qui s'occupe de la vidéo, qui est cachée quelque part dans une autre salle, et qui dit « Bah oui, mais on n'en trouve plus maintenant. » On en trouve beaucoup moins. Ouais. Mais l'amour de la mer est venu plus en pêchant qu'en allant à la plage et en allant sur l'eau avec mes parents, puisque j'ai navigué très jeune. Vous avez fait la traversée de la Manche vers les îles anglo-normandes. Oui. En famille. Oui. Jusqu'aux anglo-normandes, en famille, oui. Bah, c'est déjà ça, quand même. Hein. Oui, j'avais 10 ans, ouais. Oui. Je m'en rappelle encore. C'était vraiment très très bien de pouvoir voir la Terre. Enfin bon, voilà. Comment on devient océanographe. Alors, je sais pas quoi, ça fait 39 ans de carrière, quelque chose dans le genre, on a calculé un petit peu tout à l'heure. Vous avez participé à de nombreuses campagnes en mer. Vous avez fait les fameuses plongées, et là non plus, il n'y a pas énormément de personnes à les avoir faites. Les plongées à moins 2500 mètres, moins 3000 mètres dans la capsule Tiana, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai plongé une fois dans ma vie, seule. Ouais. Et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. On les porte avec. Enfin, c'est-à-dire, on a plongé sur des volcans sous-marins, des geysers qui ont lieu au large du Pacifique, sur la rive Pacifique Est. Et les fumeurs, la vie qui grouille au fond, les pylos lava, c'est-à-dire les laves en coussin, hein, comme on les appelle, enfin, le paysage sous-marin. Les grands vers. Les vers, les crabes, oui. Tout dépigmenté. C'est un monde incroyable. Et voilà, c'est pour jamais là-dedans, parce qu'en fait, on n'a pas l'occasion d'y retourner souvent. Puis maintenant, on ne plonge plus, pratiquement. Oui. Puisqu'ils ont... On voit des robots. Ouais. Et ouais. Et c'est dommage, parce que je crois qu'à l'époque, vous étiez trois dans une capsule. C'est ça. Il y avait le pilote... Le copilote et le chercheur. Le scientifique ou la scientifique, oui. Avec un dispositif très particulier. C'était 12 heures au fond, hein, quand même. Hein. Enfin, au total. Donc, il y avait un dispositif très particulier pour les petits besoins. Et ça ne doit pas être facile. Avec les deux garçons qui se retournaient, puis le petit. Voilà. Et j'en connais qui se sont fait un petit peu peur aussi, parce que quelquefois, il est arrivé que la capsule, elle se coinçait entre. J'y étais, mais pas dedans. Moi, j'étais à bord ce jour-là. Et on s'en rappelle très, très bien. La capsule s'est coincée. Et en fait, il y avait je ne sais pas si on a le temps de raconter tout ça, mais il y avait un appareil qu'on mouillait. C'était une espèce de grand panier pour mettre les objets qu'on échantillonnait. Et puis les échantillons aussi d'eau qu'on prenait avec une seringue. Et puis plutôt que de les remonter à chaque fois, on allait les poser dans le panier. Puis bon, la capsule largue son lest pour remonter, comme un petit ballon. Tac, le dessus de la cocotte minute, c'était un peu comme une cocotte minute, quoi. Le dessus s'accroche à un pied du gros machin, et ensuite la capsule faisait de l'ombre, ça on s'en rappelle, hein, parce qu'elle faisait de l'ombre au truc qui était derrière, c'est-à-dire à ce qui permettait de le larguer. Et depuis le bateau, c'est un largage acoustique, donc il faut que le signal passe.
Et donc, en fait, on s'est trouvé avec une capsule qui était accrochée à un machin qu'on n'arrivait pas à décrocher. Tout le monde était mouillé au fond et on se demandait bien comment on allait y arriver. Si le pilote faisait trop bouger le moteur, il y avait l'huile qui baissait et donc on risquait d'écraser la mécanique et donc on n'aurait jamais retrouvé les gaillards qui étaient à bord. Bon, finalement, ils ont réussi à déplacer la capsule. Il n'y avait plus d'ombre. On a réussi à larguer l'ensemble. Donc, ils sont remontés ensemble, le panier et la capsule, tous les deux. Au moment où il y a la barrière de densité à 800 mètres de profondeur, ils se sont arrêtés. Donc là, le pilote a redonné un petit coup de mou. Donc on était tous derrière les écrans à surveiller. Et puis ils sont arrivés à la surface au milieu de la nuit. Donc évidemment, on a tous applaudi, etc. Alors il faut que je vous dise quand même qu'à bord, il y avait le seul des chercheurs qui avait peur d'y aller, qui était claustrophobe. Ça devait être un grand moment. Voilà, mais je finis parce que ça valait. Et alors, en fait, on s'est dit dans quel état il va être, livide et tout. Et on le voit sortir de la capsule avec une banane comme ça, euphorique. Et il y a le pilote qui nous dit j'ai forcé l'oxygène parce qu'il n'en pouvait plus. Et donc, il avait un peu, pour le détendre, il avait un peu forcé la concentration. Voilà, je ne vous donnerai pas son nom, mais voilà. Hey, c'est une vie aventureuse aussi. Hein, j'étais contente d'être à bord et de ne pas être celle qui était dans le machin, quand même. Voilà. Voilà. Vous aviez un rêve aussi depuis l'âge de 13 ans, je crois, celui de mettre le pied sur les îles Kerguelen. Qu'est-ce qui vous attirait là-bas ? Sur une carte, j'avais une manie, c'est que je passais mon temps dans les atlas. Hein, et ce qui m'attirait, c'est que ça devait être, à mon avis, sauvage. J'avais pas tort. Plein de brouillard, j'avais pas tort non plus, et vanté, puisque tout le monde parlait de... Et j'avais très très envie d'y aller, et alors là, ma mère m'a dit, mais c'est interdit aux femmes. Et bon, il y a beaucoup de choses. On disait c'était interdit aux femmes quand j'ai dit que je voulais faire océanographe au troisième, on m'a dit, mais c'est pas pour les femmes. On l'a entendu beaucoup, puis ça aussi, ça disparaît, c'est très très bien. Et même voilà. on porte même pas malheur sur un bateau. Mais tout le monde dans la famille avait envie d'aller au Kerguelen, hein. Et donc j'y suis allée. Voilà. Alors, militante de longue date pour la protection de l'environnement, on peut dire qu'avec votre métier, vous êtes un témoin privilégié de la dégradation de l'état de la planète. Vous avez milité dans plusieurs choses, et entre autres maintenant dans une association qui s'intitule, qui porte un joli nom, qui s'appelle les Étoiles brillent pour tous. C'est une association toulousaine, et vous allez comme ça, je sais pas, partager vos connaissances avec des gens qui vivent enfermés. Alors donc enfermés. À Toulouse, il y a un regroupement de laboratoires, l'Observatoire Midi-Pyrénées. Je ne sais pas s'il y a des collègues de Rennes ici, mais qui nous connaissent. Et effectivement, avec des collègues astronomes et océanographes qui font de l'atmosphère, d'autres qui font des fourmis du cerveau. Enfin, depuis, on a étendu notre champ d'offres, de conférences. On fait des conférences dans les milieux fermés, donc on va à prison, hôpitaux pour enfants, maisons de retraite, c'est-à-dire les lieux où vraiment les gens ne peuvent pas sortir pour accéder à la cité de l'espace. Et c'est une activité qu'on fait maintenant depuis 2004, donc ça fait 12 ans, et ça marche très très bien. Et celui qui a le plus de succès dans les prisons, c'est celui qui travaille sur les drogues et le cerveau. Par hasard, voilà. Mais bon, tout le monde a du succès. Bon, et puis vous êtes tellement engagée en tant que militante et que ça, que vous avez même fait de la politique. Eh oui. Oui, alors, bon, j'ai été élue pendant 6 ans à la région Midi-Pyrénées sur un mandat Europe Écologie Les Verts. Étant donné l'état de la planète, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras ballants, je vais aller faire quelque chose. J'ai eu la chance de présider l'Agence régionale de l'innovation, ce qui, en tant que chercheur, m'a complètement ouvert les yeux sur ce qu'est l'innovation. Ce n'est pas de la recherche, on le savait, mais on le sait encore mieux après l'avoir pratiqué. C'est extrêmement intéressant, mais bon, ce n'est pas de la recherche. C'était épuisant de faire les deux. Et donc, j'ai pas recherché en plus, et il y a votre travail que vous continuez à faire. Et puis, il y a eu cet engagement avant la COP21, oui. Et on en a parlé ici. Alors, d'abord, dire que vous êtes déjà venu ici en 2007, ça fait déjà longtemps très maintenant. Bon souvenir. Hein, et donc, vous avez été à l'origine de cette organisation du train du climat qui a vu passer 40 chercheurs, qui a fait 19 étapes dans toute la France, dont deux
en Bretagne, d'ailleurs, pas à Rennes, puisque la gare est en travaux. Saint-Malo et Brest. Mais Saint-Malo, Brest, et puis on s'est quand même un peu arrêté à Nantes. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais. Ah oui, c'est Nantes. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais on s'est arrêté à Nantes. D'accord. Bon. Voilà, et c'est une. Donc vous faites partie, vous avez créé un groupe. Un collectif qui s'appelle Les Messagers du Climat. On était en moyenne 12 chercheurs à bord et on a rencontré 23 000 personnes et 1000 décideurs qui sont venus visiter l'exposition en 3 semaines. Et on était morts à la fin. Oui. Enfin, moi, je suis restée 3 semaines moins 3 jours. Donc voilà, il n'y a que 3 villes que je n'ai pas faites. Donc, moi, je suis allée vous voir à Saint-Malo et je dois dire qu'il y avait quelques-uns des chercheurs qui se plaignaient du confort du train pour dormir parce que vous dormiez à bord. Ça bouge moins qu'un bateau. Et il y en avait qui avaient un petit peu mal au dos. Mais oui. Mais voilà, mais c'était quand même une belle opération pour alerter un petit peu les gens. Et les expositions à bord étaient vraiment formidables. Voilà, donc, femme engagée, scientifique, océanographe. Et ce soir, vous allez nous parler du réchauffement climatique, l'après COP21. Et puis on a décidé que vous alliez axer un petit peu plus, parce qu'on a déjà eu plusieurs conférences sur ce réchauffement climatique, avec Jean Jouzel qui est venu plusieurs fois, avec Valérie Masson-Delmotte qui était à Saint-Malo avec nous, etc. Et on a eu la question d'ailleurs assez souvent ici, est-ce que l'on parle assez du réchauffement climatique et de ses conséquences sur les océans? Peut-être pas assez. Donc vous allez un peu plus insister là-dessus ce soir, Catherine. On vous écoute et on vous retrouve après pour les questions. Merci beaucoup, Maëtte, et merci pour votre invitation. Avec et effectivement, on ne se refait pas. Et donc j'ai un peu accentué sur la mer. Bonne soirée à tous. Donc. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que le moment qu'on va passer ensemble sera un bon moment. En tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux. C'est toujours aussi impressionnant de venir à Rennes. Hein. Vous savez, on se retrouve tout seul sur la scène face à un grand public, donc il faut faire passer le moment d'émotion. Ça y est, ça passe. Donc, comme vous voyez sur cette image, notre planète est bleue, et comme je dis, elle s'appelle la planète Terre. Elle pourrait s'appeler la planète mer, puisque les 3/4 de la surface sont couverts par l'océan. Et en particulier, alors cet océan, hein, il est représenté ici, il ne faut pas que je me trompe, voilà. Il est ici, ça, il couvre 71% de la surface de la planète et son volume, c'est 1,4 milliard de milliards de mètres cubes d'eau. Et en fait, ce volume, on ne se le représente absolument pas. Quand on regarde la Manche, déjà, on se dit, mais c'est immense, quand on voit l'Atlantique. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça et c'est une toute autre dimension. Et c'est quelque chose que je vais essayer de vous faire passer dans le cadre de cette conférence. Cet océan, il fait partie de la planète, et donc il échange à la fois avec l'atmosphère et avec les continents. Avec l'atmosphère, ça va être l'essentiel du sujet du jour, il échange de la chaleur, de l'eau et des gaz, dont le gaz carbonique en particulier. Chaleur et eau, bon, on va le voir tout de suite, et c'est tout le système climatique presque qui est décrit derrière ça. Avec les continents, il y a évidemment l'érosion qui amène des éléments chimiques par le biais des rivières ou du vent, à l'océan, et ces éléments chimiques, en fait, que l'on trouve dans la grande bassine qu'est l'océan, ils ont été, à un moment donné, présents sur Terre, érodés, et ils retourneront sur Terre par le biais des sédiments dans des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues. La circulation océanique, très basiquement, hein, et très, de façon très simplifiée, c'est avant tout un très très grand transporteur de chaleur. Vous avez ici la représentation, le soleil qui tape à la verticale sur la Terre au niveau de l'équateur et dans la zone intertropicale et qui tape en oblique au pôle, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Et donc, du coup, la chaleur qui est reçue ici par mètre carré est beaucoup plus forte, l'énergie est beaucoup plus importante que celle qui est reçue ici, en particulier en hiver où, en fait, il fait noir tout le temps. Et s'il n'y avait pas les courants marins, ça resterait figé, ce système. Mais il y a les courants marins qui prennent cette chaleur à l'atmosphère aux latitudes basses, aux latitudes tropicales, et qui vont transporter cette chaleur vers les pôles. Et en particulier, un des courants que l'on connaît bien, nous, en Europe, c'est le Gulf Stream qui se forme dans le golfe du Mexique et qui va traverser
en diagonale tout l'océan jusqu'à aux côtes bretonnes, Norvège, on va y venir tout de suite. Et donc on le retrouve ici, notre entre-temps on est passé de Nancy à Rennes, il y a des morceaux de mes diapositives qui restent avec des choses que j'ai racontées il n'y a pas longtemps à d'autres endroits en France. Alors vous avez ici ce courant chaud que l'on appelle nous la dérive nord-atlantique qui va monter vers le nord et qui va aller se perdre aux latitudes les plus hautes. Et au fur et à mesure que l'eau monte vers le nord, elle va évidemment se refroidir. Donc il y a de la chaleur qui est prise ici à l'atmosphère et qui est restituée ici à l'atmosphère dans tout le chemin. Et qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle est froide? C'est ce que l'on voit en coupe ici. On retrouve la glace pour montrer que c'est bien froid. Et quand l'eau est froide, elle devient dense. Elle devient dense exactement comme de l'air chaud. Hein, qui va monter quand on chauffe une pièce et puis l'air froid il reste en bas et l'eau quand elle devient dense elle va plonger en profondeur et elle va partir faire le tour du monde et elle va partir par ici, c'est la flèche violette et elle va circuler et emmener de l'énergie, du sel, de l'eau d'un bout à l'autre du globe, c'est-à-dire vous allez ici suivre un peu le parcours des voiliers de la course autour du monde, hein, sauf qu'on est entre 2 et 4 km de profondeur, ce qu'ils ne font pas eux, et on va suivre les côtes brésiliennes, on va faire le tour de l'Antarctique plusieurs fois s'il faut, et puis aller irriguer l'Indien et le Pacifique, et le tout, ça fait à peu près 1000 ans pour faire le tour. Donc c'est un chiffre statistique, évidemment les eaux elles reviennent, soit par les détroits indonésiens, soit par le passage de Drake qui est au sud du Cap Horn, et elle revient au golfe du Mexique, et hop, elle refait le tour, et c'est un système fermé, c'est une boucle, donc en fait, c'est une circulation qui s'est mise en place maintenant il y a 8000 ans, à peu près, c'est-à-dire à la sortie du dernier maximum glaciaire, et cette circulation qui génère ces grands transports d'énergie, c'est elle qui conditionne l'essentiel de notre climat actuel, et c'est ce climat qu'on est en train de perturber aujourd'hui. Juste les composantes fluides du climat, je vous les résume ici. Vous avez l'atmosphère qui est rapide, ces temps de transport, d'homogénéisation, c'est de la journée à plusieurs 3 semaines maximum. Elle a peu de mémoire et paradoxalement, bien qu'elle reçoive les rayons du soleil, elle est chauffée par le bas puisqu'en fait, elle est essentiellement chauffée par l'infrarouge qui revient de la Terre et qui va venir chauffer l'atmosphère. Et l'océan, donc lui, il est très lent puisque sa variabilité, elle s'adresse pour les plus courtes à la saison et jusqu'à 1000 ans, je vous ai dit, le temps de faire le tour. Une grande inertie thermique, on va y revenir. Il est chauffé par le haut, par l'atmosphère, et il est opaque, et contrairement à l'atmosphère qui est transparente. Donc ici, vous avez une vision animée, maintenant, de ce que je viens de vous raconter, ce transport de chaleur à travers l'Atlantique du Gulf Stream. Il ne faut pas oublier, dans toute cette affaire, que l'océan, c'est aussi un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Et c'est un grand réservoir chimique, je l'ai déjà effleuré dans mon introduction. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, ce bloc diagramme, il représente de façon très simplifiée ce qui se passe à l'intérieur de l'océan. Sur les 100 premiers mètres, vous avez la couche éclairée. Puis après, ça, on va de 100 à 4000 mètres. C'est-à-dire que j'ai quand même un petit peu compressé l'échelle. 4000 mètres, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3800 mètres. Donc, ça représente à peu près la profondeur moyenne de l'océan. Dans les autres surfaces, vous allez avoir l'éclairage est dissous dans l'eau des sels nutritifs. Ces sels nutritifs, c'est ceux que l'on connaît sur Terre, hein, c'est l'azote, le phosphate, le carbone, qui vont permettre la photosynthèse, c'est-à-dire aux algues de se développer, lesquelles algues vont être mangées, broutées par des petits organismes zooplanctoniques, crevettes, etc., qui sont représentés ici. Alors ça, c'est une boucle vivante. Il y a volontairement une petite boucle parce qu'une partie de cette vie, elle est détruite parce que c'est des cycles de vie qui sont extrêmement courts à la surface de l'océan. Donc, certaines algues, elles ont un cycle d'une journée, d'autres de 15 jours à 3 semaines. Et ensuite, la vie des organismes qui les consomment aussi, c'est assez rapide. Et donc, il y a déjà une mort et une régénération dans les eaux de surface. Et donc, la flèche rouge, là, elle montre que les sels nutritifs peuvent revenir directement sous forme dissoute. Et vous avez aussi une partie de ces déchets qui sont fabriqués à partir de cette vie qui vont chuter en profondeur et être pris dans les abysses. Et cette chaîne ici, là, de vie, que je suis avec le laser, voilà, le pointeur, eh bien, cette chaîne de vie, elle va séquestrer
de l'océan depuis du CO2 pardon, depuis l'atmosphère. Le gaz, il va pénétrer ici, va être attrapé en une fraction de ce gaz va être attrapé par la chaîne de vie et séquestré dans les sédiments. C'est très très important car s'il n'y avait pas de pompe biologique, on appelle ça la pompe biologique nous, s'il n'y en avait pas, la concentration de gaz carbonique dans l'air aujourd'hui serait le double de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, ça joue un rôle important à des échelles de temps longues, cette pompe biologique. Et évidemment, on l'a dit, il y a aussi les poussières, comme celles qui sont représentées ici, les fleuves, comme par exemple l'Amazone, et qui amènent des éléments chimiques à l'océan. Mais c'est moins notre propos aujourd'hui, sauf si on doit parler un jour de la fertilisation naturelle par le fer. Mais on y reviendra peut-être dans le cadre des questions. Voilà, donc le problème, c'est que ce système, il est en train de chauffer. On a trouvé un thermostat, nous les hommes, c'est qu'on est en train de chauffer l'atmosphère. Et je, sauf si quelqu'un me le demande, je ne refais pas l'effet de serre, parce que j'imagine que dans cette salle, vous en avez déjà entendu parler grâce à Maëtte et à ses conférenciers qu'elle invite. Mais en rejetant du gaz carbonique dans l'atmosphère, on chauffe considérablement en ce moment et comme jamais auparavant. Et c'est ce qui est représenté ici. On réchauffe l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui est représenté ici ? C'est la concentration de gaz carbonique mesurée dans des bulles de glace, donc dans l'Antarctique, donc au cours du temps. Et là, c'est sur 800 000 ans. Et ce que l'on observe, bien, c'est qu'il y a des cycles où il y a des périodes où il y a plus de CO2, des périodes où il y en a moins, plus, moins, etc. Et ça correspond aux périodes interglaciaires, un peu plus chaudes, et glaciaires plus froides. Entre les deux, glaciaires, interglaciaires, il y a 5 à 7 degrés d'écart seulement. Ce n'est pas énorme et c'est extrêmement important pour la suite, cet écart faible. Et donc, vous avez ici ces cycles où vous pouvez voir que finalement, au cours de temps et sur 800 000 ans, on n'a jamais dépassé les 280 parties par million de concentration de gaz carbonique dans cette atmosphère. Et ce gaz carbonique est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire c'est un gaz qui, en le rejetant en excès, va piéger les rayons infrarouges réémis par la Terre vers l'atmosphère et en les piégeant, eh bien jouer ce rôle de thermostat qui fait monter la température. Alors, ce que l'on a représenté sur cette courbe, c'est la période de l'occupation néandertale où on n'a franchement pas beaucoup perturbé le climat, et puis l'arrivée d'Homo sapiens qui est assez récente, et Homo sapiens capitalus, c'est celui des 200 dernières années, qui a utilisé beaucoup, beaucoup d'énergie fossile pour développer son économie, charbon puis pétrole, et en brûlant ces énergies fossiles, a rejeté du CO2 dans l'atmosphère. Et alors qu'on n'avait jamais dépassé 280 ppm, sur les 200 dernières années, on atteint une valeur de l'ordre de 400 parties par million. C'est la concentration du gaz carbonique, comme on ne l'a jamais mesuré depuis 800 000 ans, et bien plus ailleurs, au-delà. Donc ces concentrations sont sans précédent et donc on a détecté déjà en les mesurant et grâce aux travaux des chimistes et aux travaux des modélisateurs, on sait aussi de façon sûre, à 95% dit le dernier rapport du GIEC, que c'est bien nos activités humaines en se déplaçant, en se chauffant, en climatisant, l'industrie, l'agriculture, etc. qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, quand on a d'un côté des modèles et de l'autre côté une compréhension du climat actuel, je tiens dans cet exposé à prendre le temps de parler avec vous de solutions, donc je suis obligée de passer un petit peu vite sur la partie compréhension du climat actuel en espérant que ce travail a été très bien fait par mes collègues Jean Jouzel et Valérie Masson. Et donc, vous avez ici ce que l'on appelle les projections pour le futur. On vient de quitter une courbe qui était sur les 800 000 dernières années. On a vu que sur les 200 dernières années, on avait augmenté considérablement les concentrations de gaz à effet de serre. Et vous avez ici, de 1980 à 2015, aujourd'hui, une courbe qui correspond en fait à ces émissions de milliards de tonnes de CO2 par an, aujourd'hui et il y a 20 ans, 30 ans. Ça, c'est la période de mesure, c'est celle qui nous sert à caler... Je vais passer à la suivante, parce que j'aime mieux que vous voyez ça là, ici, plutôt que les RCP qui sont compliqués. Donc, vous avez ces émissions historiques, ici, qui permettent de caler les modèles. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle du système Terre ? C'est un modèle dans lequel on met tout ce que l'on a compris sur l'océan, la végétation, la glace, comment ils échangent les uns avec les autres, ce que je viens de vous raconter très brièvement. On fait tourner ça
Et dans une description de la Terre qui est en petits cubes et où on fait échanger tous les réservoirs entre eux, et on regarde comment elle se comporte aujourd'hui, comment elle s'est comportée au dernier maximum glaciaire, et on essaye de caler ces informations, et aussi pour la période actuelle, justement, la cale sur cette partie de la courbe ou avant, lorsque l'on a vraiment des données et de température et d'émissions de CO2 et évidemment des enregistrements de cette température. Et ensuite, on va projeter dans le futur. Alors, pour projeter dans le futur, il faut une autre chose. Il ne faut pas que les modèles, il faut aussi ce qu'on appelle des scénarios. Les scénarios, ils nous sont donnés par les démographes, par les économistes, par les géographes, par l'agriculture. C'est-à-dire, comment, dans le monde que l'on imagine dit du laisser-faire, c'est-à-dire, ça, ce n'est pas le plus dur à imaginer, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on continue à brûler beaucoup d'énergie fossile pour satisfaire nos besoins économiques, on se développe comme des fous, on consomme tout ce qu'il y a dans le réservoir de gaz carbonique, et voilà où on va. En 2100, on augmente la température d'à peu près 4 degrés, en fait 3,7 à 6 degrés, ce qui correspond à peu près à la différence entre un âge glaciaire et un âge interglaciaire, je le rappelle. Et puis il y a le scénario ici, dit le scénario sobre, et entre les deux, il y a d'autres scénarios dont je ne parlerai pas. Le sobre, c'est le scénario dit du 2 degrés, celui qui a fait tout l'enjeu des débats de la COP21, c'est-à-dire le scénario auquel il faut arriver. Donc vous remarquez qu'il faut baisser les émissions de gaz carbonique par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui pour garder une planète relativement confortable dans le futur. Et donc, on cale sur les émissions historiques, on fait des projections, et je fais remarquer que les estimations aujourd'hui, c'est sur la pente rouge. Donc, il faut faire quelque chose, parce qu'on va voir ensemble, si on ne fait rien, ce qui va se passer. Donc, je vais passer rapidement sur les impacts sur Terre, puisque j'ai promis que je parlerai plus de l'océan. Voilà, sur la Terre, j'en ai sélectionné deux. Alors qu'on en a sur les forêts, sur les villes, etc. Mais j'ai sélectionné ici pour vous essentiellement deux, puisqu'en plus, ils sont en lien direct avec la mer. Sur la neige et sur le débit des rivières. À gauche, vous avez une carte ici de la représentation de la limite pluie-neige à la fin du siècle si on ne fait rien, c'est-à-dire dans le cadre du scénario du laisser-faire. Alors, cette limite pluie-neige, eh bien, elle reculera de façon extrême dans les Pyrénées, dans le Massif central, on ne parlera même plus de neige, c'est-à-dire moins de 75% d'enneigement par rapport à aujourd'hui. Un recul très fort, on le voit pour les plus hauts sommets des Pyrénées et un peu dans les Alpes aussi, fort et faible. Il n'y a que vraiment le Mont Blanc en fait, qui est un peu préservé de cette région-là, de ce recul. Et directement relié, on va trouver là, ici, ce qui est représenté ici, c'est le débit des rivières en été. L'étiage, la période où elles sont le plus à sec. Et on voit que les rivières des bassins sud de la France, hein, et en particulier Garonne, Durance, toutes les rivières qui descendent de ces montagnes, eh bien, vont voir leur débit considérablement affecté, hein, diminué de plus de moitié en été. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Toulouse en été, mais la Garonne, elle est déjà très basse. Et alors, moins de la moitié, c'est quand même extrêmement ennuyeux. Et en fait, c'est relié à ça parce que lorsque l'on fait reculer la limite pluie-neige, on recule le réservoir, le château d'eau que constituent les montagnes. Il y a moins de neige et donc la neige fond beaucoup plus lentement. Les pluies, elles s'écoulent brutalement alors que la neige fond beaucoup plus lentement. Et donc, pendant toute la période du printemps et du début de l'été ici, on a un réservoir actuellement. Si ce réservoir réduit, eh bien, l'impact, ça va être cette réduction des débits d'étiage avec des impacts considérables à la fois sur l'agriculture, la ressource en eau, tout simplement, l'eau potable, etc., etc. Donc là, il y a véritablement une urgence à réagir parce que ça, ce sont des modèles qui ont été faits et de façon... C'est une thèse qui vient d'être soutenue et qui est de très, très grande qualité. Alors, je fais remarquer quand même que la région bretonne est modérée, mais n'est quand même pas complètement épargnée. Il y a que cette petite région ici et puis la Somme qui a l'air d'avoir échapper un peu. Parlons de l'océan maintenant. L'océan, donc, le gaz carbonique atmosphérique augmente, ce qui crée un réchauffement global, mais aussi, et c'est quelque chose de très particulier à l'océan, ça n'est pas du réchauffement climatique, mais la pénétration du gaz dans la mer va acidifier, c'est une réaction chimique très connue, le CO2 en se dissolvant à la surface de la mer acidifie la surface de la mer. Si je dois prendre un exemple avec des bouteilles d'eau minérale, une bouteille d'eau minérale
naturelle plate est moins acide qu'une bouteille d'eau minérale de type gazeuse. Voilà. Quand on la débouche, elle fait pchit. Et c'est une réaction chimique, c'est-à-dire que quand le gaz carbonique se dissout dans l'eau, pour ceux qui font de la chimie, on libère des protons H+, et donc on augmente la concentration de césium H+, et on diminue le pH de l'eau de mer. Et on entre dans ce que j'appelle l'océan de l'anthropocène, c'est-à-dire de cette période où nous sommes en train de le bousculer un peu violemment. Ce réchauffement, alors si on parle du réchauffement, il va jouer sur la circulation océanique, sur l'augmentation du niveau de la mer, ce que je vais vous montrer, sur la biologie. Et la pénétration du gaz, qui n'est pas, encore une fois, du réchauffement, qui est un phénomène chimique, mais qui est quand même ce qu'on appelle le deuxième bad guy du gaz carbonique, hein, c'est pas gentil du tout pour l'océan, mais il va acidifier, ça va impacter essentiellement la biologie. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite des impacts. Alors déjà, sur la partie en haut, circulation, réchauffement et niveau de la mer, ce qu'il faut savoir, c'est que notre océan qui est lent, depuis le début de l'ère industrielle, enfin, sur les 40 dernières années, là je dis une bêtise, sur les 40 dernières années, 90% de l'énergie qui a été émise dans les 40 dernières années est stockée dans l'océan. Et en fait, l'océan, pour l'instant, c'est lui qui récupère cette énergie en trop que l'on met dans l'atmosphère. Et ça, c'est une échelle de temps. Ça, c'est cette augmentation, ce stockage d'énergie. Ça, cette courbe, le bleu plus clair, c'est sur les 700 premiers mètres. Le bleu le plus foncé, c'est en profondeur. Ça a un impact très important, on va le voir, sur la montée du niveau de la mer. Pourquoi ? Alors, déjà, c'est cette montée du niveau de la mer, cette élévation du niveau de la mer, elle est mesurée et reconstituée grâce aux marégraphes avant qu'on ait les satellites, donc au cours du siècle dernier. C'est ce qui est représenté sur cette courbe ici. Vous avez 1890, 2010, et vous voyez, donc il y a évidemment des mesures dont l'incertitude a été très, très probablement établie, et on voit bien qu'avec les marégraphes, sur le siècle dernier, on voit une augmentation qui est, j'ai représenté ici, de l'ordre de 17 cm. Et donc, on avait, pendant cette période-là, du XXe siècle, 1,7 mm par an de variation, élévation du niveau de la mer. Depuis 1993, on a calé les satellites avec les marégraphes, puisqu'on a envoyé en 92 un satellite qui a fait beaucoup de bruit, du moins dans le monde de l'océanographie. C'est le satellite Topex Poséidon qui dispose d'un altimètre. Cet altimètre permet d'envoyer un signal de radar, comme le radar des flics, hein, le même, un peu plus perfectionné. Quoique, je ne sais pas en fait. En tout cas, on envoie un signal radar et on regarde l'écho que renvoie la mer. La vitesse à laquelle la surface de la mer renvoie ce signal permet d'avoir une distance. Et aujourd'hui, on la mesure grâce au traitement du signal au centimètre près et intégré sur plusieurs années. Ça permet d'avoir une augmentation du niveau de la mer qui est de 3,1 mm par an depuis 1993. Les causes, il y a d'une part la dilatation due à l'accumulation de l'énergie dont je vous ai parlé. Si vous chauffez un corps, vous le dilatez. Mais il y a aussi, soit pour les trois quarts aujourd'hui, la fonte des glaces continentales. Alors, qu'est-ce que c'est que les glaces continentales ? Déjà, petite mise au point, parce que là, je ne peux pas vous questionner, attendre les réponses, je n'ai pas le temps. Ça n'est pas la banquise. La banquise, c'est la glace de mer, c'est celle qui se forme en hiver et qui fond en été. Et donc, c'est le coup du glaçon dans le verre d'eau, ça ne va pas faire monter le niveau de la mer. Les glaces continentales, c'est celles dont je viens de parler, c'est les glaciers des Pyrénées, c'est les glaciers des Alpes, c'est les glaciers des Andes, et c'est aussi la calotte glaciaire Groenland, et une petite partie de l'Antarctique qui a tendance plutôt à fondre. Et donc l'ensemble amène une augmentation aussi, contribue à cette augmentation du niveau de la mer, bientôt, actuellement c'est une forte proportion par rapport à la dilatation. Alors on repart sur nos courbes, je suis désolée s'il y en a de trop, mais c'est un petit peu important de voir ça, parce que donc ça c'est la période de calage des modèles, c'est-à-dire où on a des mesures depuis 1890, 1900, etc. sur l'augmentation du niveau de la mer, et ça c'est ce que l'on prévoit dans le cadre du scénario sobre et dans le cadre du scénario du laisser-faire. Scénario du laisser-faire, on monte de l'ordre de 1 mètre par an, avec la barre d'erreur ça peut aller jusqu'à 1 mètre 60 par an à la fin, on atteindra plus d'un mètre à la fin du siècle,
Mais ce qu'il faut voir, et ce qui est important de souligner, c'est que même dans le cadre du scénario sobre, on va atteindre de l'ordre de 40 cm d'augmentation du niveau de la mer à la fin du siècle. C'est entre 20 et 40. Pourquoi ? Bien, à cause de l'inertie de l'océan. Vous le chauffez, même si on arrête de le chauffer aujourd'hui, je vous ai montré que dans les 700 premiers mètres, il avait accumulé une grosse quantité d'énergie. Cette énergie va se transmettre plus profond. Et en fait, cette montée du niveau de la mer de 40 cm, elle est quasi inéluctable, surtout si on ne change pas de mode de vie. Ou ça sera pire. Alors, qu'est-ce que l'on peut craindre ? Là, je parle de quelque chose qui touche de très près les côtes. C'est ce que l'on appelle la surcôte. Alors, vous avez le niveau de la mer, donc là, vous avez une plage qui est représentée, le niveau de la mer qui va varier avec juste la marée. Et puis, vous avez, au moment où on a une dépression, l'air va moins appuyer sur la surface de la mer et temporairement, il va y avoir une élévation du niveau de la mer. Et cette élévation du niveau de la mer va créer, par rapport à la plage, eh bien, une attaque à des endroits et à la dune, ou sur les digues, on va le voir tout de suite, va attaquer des zones qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, et en particulier, ça se passe toujours au moment de la marée haute, de vive eau, et il y a une tempête, et tout va mal, parce que du coup, on se retrouve avec des drames comme à la faute sur mer, etc., avec la mer qui envahit très rapidement de l'autre côté de la dune et qui peut passer, donc qui peut créer vraiment des choses très très dangereuses. Donc, ça, c'est le mécanisme. Et alors là, maintenant, il faut que la souris. Oui, là, c'est ce qui se passait. Alors, vous avez l'heure qui déroule ici. Vous allez voir que ça se passe très rapidement. On est à Gavre. Gavre, c'est à côté de Lorient. C'est une tempête qui a eu lieu en 2008. Et cette tempête, eh bien, la surcôte est passée par-dessus la digue et a cassé la digue. La mer est en rose. Excusez-moi, ce n'est pas habituel. La mer est en rose et ça, c'est la petite presqu'île de Gavre. Et vous voyez que du moment où la digue a été brisée par cette attaque de la tempête, eh bien, le stade, le village, etc., se sont retrouvés envahis par les eaux. Alors, il est 5 heures, il était 3h30 à peu près quand ça a démarré, ça va très très vite. Et ce que fait le BRGM, c'est pour ça, c'est une simulation du BRGM, c'est de prendre ce qui s'est passé aujourd'hui pour simuler la même chose avec 20 cm de plus, 40 cm de plus, 1 mètre de plus. Inutile de vous dire que les gens de ce village et d'autres, l'île de Saint, etc., ont vraiment des soucis à se faire si la montée du niveau de la mer est telle qu'on le dit. Là, c'est vraiment, vraiment la simulation de ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés avec une élévation de l'ordre de 3 à 4 mètres d'eau à peu près, ce qui n'a pas envahi les chambres, etc., comme à la faute sur mer. Et donc, il n'y a pas eu de mort. Mais par contre, je souligne aussi que quand la mer repart, à la suite de ça, elle laisse des terrains salés. Et donc, dès que la mer envahit quelque part, elle laisse 35 grammes par litre de sel et donc elle repart en laissant des terres qu'il faut après dessaler. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué pour retrouver la possibilité de faire de la culture. Après, la montée du niveau de la mer, c'est quelque chose de relatif. Il y a des régions du monde qui, aujourd'hui, ne voient pas cette montée du niveau de la mer. Je peux en parler rapidement. Typiquement, la Norvège. La Norvège, elle était couverte d'une calotte de glace très très dur, c'est aussi un peu le cas. Le nord de la Bretagne a un petit peu la chance d'en avoir eu les effets. Cette calotte très lourde, quand elle a fondu, le terrain est encore en train de remonter. Et comme le terrain est en train de remonter, le niveau de la mer ne monte pas en Norvège, puisque même si le niveau de la mer monte, le terrain monte plus vite. Donc c'est relatif. Par contre, si vous êtes dans une des villes qui se trouve au pied de l'Himalaya, il y a un phénomène qui s'appelle la subsidence, et en fait là c'est l'inverse, vous avez l'érosion de la chaîne himalayenne qui amène des tas de sédiments par le Gange, le fleuve jaune et toutes les rivières qui arrivent dans toutes ces villes qui sont extrêmement peuplées, et ces sédiments ils appuient sur le sol. Et au contraire, au lieu d'avoir 3 mm par an, on a 6 mm par an et des augmentations de considérable de cette montée du niveau de la mer dans les dernières années et avec les conséquences que l'on connaît des gens qui vivent par exemple au Bangladesh. Vous avez à la fois les terrains qui se sont salés, l'eau qui est devenue le saumâtre qui est remonté plus haut dans le Gange, et vous avez aussi des gens qui voient leur maison, ils ont le toit de leur maison qui est dans l'eau puisque la montée du niveau de la mer a été vraiment réelle. D'autres effets. Dans le golfe de Gascogne, il n'est pas
Il n'est plus anormal de pêcher des dorades balistes. Ce n'était absolument pas le cas il y a encore quelques années. Et enfin, toujours sur la biologie, c'est certainement des documentaires que vous avez vus. Si les coraux se trouvent un peu chauffés, les coraux vivent en surface, ils vivent dans la zone tropicale, c'est une région qui reçoit en direct ce réchauffement climatique. Eh bien, au moment de la reproduction, elle échoue. Et la petite algue qui doit se réimplanter pour permettre au corail de vivre, hein, vous savez, un corail, c'est une association entre une algue et un animal. Et cette algue, elle va photosynthétiser, amener de la matière organique à l'animal. C'est ce qu'on appelle une symbiose parfaite en biologie. Eh bien, ce corail meurt blanchi. Et donc, c'est fini pour lui s'il fait trop chaud. Donc là, il y a un risque important. Alors, je vous ai parlé donc de l'énergie et l'impact que ça peut avoir sur la circulation de montée de niveau de la mer, l'énergie qui est stockée par l'océan aujourd'hui. On a vu ensemble donc, cette élévation du niveau de la mer et les impacts qu'elle peut avoir, les migrations de poissons. Et vous avez maintenant, on va parler un petit peu de l'acidification de l'océan parce qu'elle touche de très très près, nos régions et en particulier la Bretagne. Donc, qu'est-ce que c'est que cette acidification ? Je vous l'ai dit, c'est la dissolution du gaz carbonique. C'est une réaction chimique connue de très longue date qui va libérer ces ions. Et on mesure que l'acidité a augmenté de 30% au cours des 250 dernières années. Alors, ça ne veut pas dire que l'océan est déjà acide, parce qu'en fait, son pH, pour ceux qui connaissent cette échelle-là, est encore au-dessus de 7. Et 7, c'est la valeur neutre. Son pH, c'est plus celui du lait, largement plus que celui du vinaigre. Le problème, c'est que lorsque l'on baisse le pH, on risque de mettre en danger les coquilles calcaires. Pourquoi ? Alors là, je vais faire une analogie ménagère, mais si vous voulez détartrer une canalisation ou une cafetière ou une vitre, vous mettez du vinaigre blanc. C'est un produit très connu pour ça. Et le vinaigre va dissoudre le calcaire. L'acide dissout le calcaire. Si vous acidifiez la surface de l'océan, pour des espèces vivantes, dont la coquille est déjà en équilibre, elle n'est pas sous-saturée, c'est-à-dire qu'elle ne risque pas de se dissoudre, mais on est à la limite, et qu'on acidifie légèrement, on va mettre en danger ce petit escargot qui vit dans l'Austral, celui-là qui vit dans la mer Arctique, et si les émissions de gaz carbonique continuent à augmenter, le risque, ce n'est pas 30%, c'est multiplié par 3 ce taux d'acidification en 2100. Donc, on va les mettre en danger. Et il est 100 fois plus rapide que tout ce qui a été expérimenté depuis 300 millions d'années. Mais on va aussi mettre en danger des espèces beaucoup plus proches de nous. Alors déjà, ces escargots, c'est la ressource alimentaire des mammifères marins, des oiseaux, de toute la chaîne trophique des mers du Sud, autour de l'Antarctique. Mais vous avez ici des manips qui ont été faites en laboratoire sur des moules et sur des huîtres, dont la coquille est faite dans ce même calcaire que celui des petits escargots, où on voit que si on a une augmentation assez considérable de la concentration en gaz carbonique, puisque là, ils se sont amusés à mettre des concentrations un peu élevées, aujourd'hui, on soupçonne qu'à la fin du siècle, on sera plutôt à 800, et vous voyez que nos moules et nos huîtres, eh bien, elles sont déjà affectées par ça. En fait, dans le Pacifique Nord-Ouest, comme le Pacifique est plus acide que l'Atlantique pour des raisons de circulation océanique, des millions de bébés huîtres, une fois plongés dans la mer, mouraient les uns après les autres. Et en fait, il a été montré que c'était dû au fait que ces eaux froides de la côte californienne étaient trop acides, c'est le Pacifique Nord-Est et c'est les côtes nord-ouest du Pacifique, pour être précise, de la côte californienne étaient trop acides. Et ce qui fait qu'ils ont perdu des millions de dollars. Et donc, pour éviter ça, soit ils mettent de la chaux, soit ils déménagent leur parc à huîtres. Donc, c'est quelque chose qui est déjà observé. C'est au moment de la phase de réimplantation des naissins que ça risque d'être extrêmement embêtant. Et évidemment, menace sur les coraux, je vous ai parlé du réchauffement, mais le niveau de la mer aussi peut jouer pour les coraux. Parce que l'algue qui sert pour fixer la photosynthèse et donc pour alimenter l'animal dans le phénomène symbiotique, la construction symbiotique qui est un corail, cette algue, si le niveau de la mer monte trop, elle aura moins de lumière et elle est très sensible à ça. Une des choses qui nous permet de reconstituer les niveaux de la mer passés, ce sont les coraux, les terrasses coralliennes qui sont mortes
à différents niveaux et qui nous permettent de tracer les niveaux de la mer passée. Donc, cette algue, si on ne lui amène plus de lumière, elle va être, évidemment mourir. Et enfin, puisque les coraux sont calcaires, ils sont aussi victimes potentielles de l'acidification de l'océan. Alors aujourd'hui, on compte plus de 150 millions de réfugiés climatiques. En 2012, on a eu 32 millions de personnes déplacées à cause d'événements climatiques. On a des espèces biologiques qui migrent, on l'observe déjà. On a des espèces qui hivernent chez nous alors qu'elles n'hivernaient plus chez nous, comme les oies cendrées, par exemple. Donc, voilà, il est urgent d'agir. Alors, comme la commande, c'était la COP21 et après, j'ai gardé pour les questions des choses sur ce qui s'est décidé à la COP, est-ce qu'on est content des accords, etc., des morceaux de texte que j'ai extraits des accords qui ont été signés à Paris au mois de décembre. Grande victoire diplomatique, au moins de ce côté-là, c'est vrai. Mais je vous propose d'entrer sur quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque j'arrête pas de dire ça, c'est si on continue à traiter, à utiliser des gaz à effet, à utiliser des énergies fossiles et à rejeter des gaz à effet de serre, comme on le fait aujourd'hui, c'est ce qui va se produire. Mais on est qu'en 2016, depuis peu. Et donc, on a encore la possibilité de faire bouger les choses, et on le sait qu'on a cette possibilité de faire bouger les choses, et donc c'est important d'en débattre. Alors, avant d'en débattre, il serait important de savoir qui aimait quoi. Donc, je vais vous demander sur ces graphes de regarder le rouge. Ce sont les émissions par habitant, et on va en regarder très peu. On va juste regarder les champions du monde. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant, c'est l'Arabie. Les émissions de gaz à effet de serre importants, États-Unis, Canada, on les trouve, et l'Europe est ici, et la France est là. Elle émet moins de gaz à effet de serre parce qu'elle tire son énergie du nucléaire. Et le Brésil et l'Inde sont encore des pays qui émettent peu de gaz à effet de serre par tête de pipe. Et la Chine est ici, c'est pas mal, mais on est loin quand même derrière l'Arabie et les États-Unis. Par contre, si on regarde maintenant en cumulé, ce sont les courbes. Alors ça, c'est en cumulé, pardon. Excusez-moi, c'est en cumulé depuis le début de l'ère industrielle. On retrouve les États-Unis en champion. L'Europe est très très forte aussi, puisqu'on a beaucoup utilisé de gaz à effet de serre. Et vous voyez que tous les autres pays, au contraire, c'est très très peu. Par contre, la Chine, elle est devenue la première émetteur au monde sur toute sa population, parce que même s'ils en émettent pas beaucoup par personne, ils sont beaucoup plus nombreux que les Américains, par exemple. C'est important d'avoir déjà cette notion, parce que c'est un des arguments, et c'est normal, de pays en développement comme le Brésil, etc., pour dire, mais attendez, les gars, depuis le début de l'ère industrielle, qu'est-ce qui brûle le plus de gaz à effet de serre? Eh bien, c'est les Américains et les Européens, ce sont les pays occidentaux, un peu les Russes, etc. Vous voyez que les Canadiens qui en brûlent beaucoup par tête de pipe, comme ils ne sont pas nombreux, eh ben, ils n'ont quand même pas un bilan d'émissions globales important. Dans le qui émet quoi, ce qui est important aussi de comprendre, c'est quels sont les secteurs qui émettent des gaz à effet de serre et quelle est la proportion des émissions de gaz à effet de serre selon ces secteurs. Alors, vous avez en bleu ici, c'est l'industrie, et ça, c'est à l'échelle mondiale. Et après, je vais comparer la France et le Brésil. Donc, vous voyez qu'à l'échelle mondiale, c'est relativement équilibré. Le violet, c'est l'habitat. Mais autrement, les émetteurs de gaz à effet de serre, c'est industrie et construction, agriculture, ici en rouge, l'extraction, alors l'extraction pétrolière, l'extraction charbon, l'extraction gaz de schiste, etc., qui est le plus important, un des gaz à effet de serre. Et ici, les transports, qui sont quand même aussi un facteur important. Ça, c'est comment ça se distribue à l'échelle mondiale. Maintenant, comparons deux pays qui n'ont pas du tout le même schéma. Et c'est extrêmement important parce que ça, on le trouve à l'échelle des différents pays, mais on le trouve aussi à l'échelle des régions françaises. On va y revenir. Vous avez le Brésil. Donc, le Brésil, il émet essentiellement par le rouge, c'est-à-dire l'agriculture. Pourquoi? Il fait de la déforestation, un grand coup de déforestation des grandes forêts, en particulier des forêts amazoniennes, qui remplacent par de l'agriculture industrielle, une agriculture extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Donc, en retirant les arbres, il retire ce qu'on appelle un puits de gaz carbonique, c'est-à-dire la capacité à soustraire du gaz carbonique à l'atmosphère, puisque les arbres, par la photosynthèse, eh bien, ils servent à soustraire le gaz carbonique de l'atmosphère.
Et en développant cette agriculture industrielle, ben, on voit que dans leur contribution globale, c'est l'agriculture qui compte le plus, évidemment l'habitat relativement peu. Et la France, elle, a un bilan beaucoup plus équilibré, peu en extraction et production d'énergie, puisqu'on n'a pas beaucoup de mines de charbon et encore moins de champs de pétrole, un petit peu, mais vraiment très peu. Et par contre, là où on est vraiment très émetteur, c'est dans le secteur des transports, dans le secteur de l'agriculture, habitat et industrie qui se répartissent à peu près le reste, et moins évidemment sur les extractions. Si je vous montrais, j'ai pas le temps, les États-Unis c'est extraction, la Chine c'est extraction, États-Unis c'est extraction et transport, la Chine c'est essentiellement l'extraction, etc. C'est important parce que au moment, dans la préparation de la COP, l'intelligence de la diplomatie française, puisque c'était la première fois que c'était comme ça que c'était préparé, c'est une des clés du succès, ça a été de demander aux différents pays de venir avec leur levier. Qu'est-ce qu'eux proposaient de faire pour s'engager sur la voie vertueuse des 2 degrés, c'est-à-dire aller vers ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour lutter efficacement contre le climat. Vous imaginez bien que le Brésil n'a pas pu trop arriver en disant « on va changer notre façon de gérer l'habitat », parce que c'est quand même que 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais par contre que s'il joue ne serait-ce qu'un peu sur son agriculture, ça sera tout de suite très efficace. Et pour la France, ben, y a un gros travail à faire un peu sur tout, mais en particulier sur les transports. Sur ces histoires de différence, la Bretagne, c'est 45% est dû à l'agriculture. On pensait que c'était beaucoup sur les transports parce qu'on se déplace beaucoup dans une région qui est traditionnellement en habitat dispersé, mais c'est aussi un terme important d'émissions des gaz à effet de serre, mais essentiellement l'agriculture. La Lorraine, c'est essentiellement l'habitat parce que les maisons sont vieilles, c'est une région qui s'est beaucoup appauvrie, ils n'ont pas isolé, alors eux, c'est une explosion côté habitat. Donc là aussi, selon les régions françaises, les efforts ne sont pas à faire sur les mêmes facteurs. Alors, sur quoi peut-on jouer ? Une fois qu'on a raconté tout ça, on peut jouer sur l'énergie. Je vais regarder combien de temps il me reste. C'est va ? Merci. Je continue. Donc, on peut jouer, sur l'énergie. Alors, bon, vous aurez compris que je ne vais pas encourager et mes collègues avec moi à continuer. Il faut faire de gros efforts pour s'affranchir de ce qui nous gave aujourd'hui, puisque 80% de notre énergie vient des fossiles en France et dans le monde. On doit absolument s'en affranchir. Et donc, est-ce qu'on développe plutôt les énergies renouvelables ? Est-ce qu'on utilise le nucléaire ? Ce sont des questions qui sont posées. Alors, les renouvelables, ce sont des alternatives aux combustibles fossiles pour l'électricité et la chaleur. Ça permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une meilleure qualité de l'air, ça crée des emplois locaux, ça a l'air quand même très vertueux, et pour l'instant c'est 1/5 de notre électricité, pas de notre énergie, de notre électricité, et c'est quelque chose qui est réellement en forte croissance. C'est exponentiel, et c'est très bien, parce que les courbes exponentielles que j'ai l'habitude de voir en ce moment, c'est sur la consommation de papier, les rejets de gaz à effet de serre, etc. Là, on a en forte croissance cette énergie se développe actuellement. Elle est encore chère, donc les développements nécessitent des soutiens politiques et économiques. Et surtout, et on pourra le discuter ensemble, il y a une réorganisation des réseaux électriques qui est indispensable parce qu'on ne peut pas produire cette énergie avec des grosses centrales. On est obligé de la produire de façon disséminée et en tenant compte des propriétés. Là encore, des différences entre les différentes régions. Dans ma région, on s'est orienté plutôt sur la biomasse, le vent, le solaire, un peu, mais beaucoup moins qu'en Languedoc. Alors, dans mon ancienne région, Midi-Pyrénées, on avait surtout la biomasse et le vent et un peu le solaire, et Languedoc-Roussillon, ils ont surtout le vent et le soleil, ils n'ont pas beaucoup de biomasse. Puis on s'est mariés récemment, alors c'est merveilleux, parce que chacun amène c'est des choses différentes dans la corbeille de la mariée. Il pleut beaucoup plus à Toulouse, hein, c'est une légende qu'il ne pleut pas à Toulouse, il pleut et encore plus à Biarritz, où il pleut plus qu'à Brest, qu'à Montpellier, par exemple. Utiliser le nucléaire, alors en fait, c'est les partisans du nucléaire vous diront produire de l'énergie nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, ce qui est vrai. Le problème et la controverse vient d'autres risques et d'incertitudes, les accidents, les problèmes de l'extraction, c'est une extraction qu'on ne fait pas chez nous et on fait ça dans des pays qui ne sont pas forcément politiquement très stables,
future disponibilité en uranium, parce que l'uranium, ce n'est pas plus renouvelable, même s'il y en a pour plus longtemps que le pétrole. Le problème de la gestion des déchets, du démantèlement. J'ai entendu il y a quelques jours une émission où on a enfin entendu que, à cause du démantèlement de nos centrales, il y aurait une augmentation substantielle de notre facture d'électricité à prévoir, doublement, voire triplement. Et évidemment, le risque de prolifération qui, avec certains États voyous, reste un problème majeur. Donc, ça n'est pas non plus une solution dans l'immédiat. Capter et stocker le carbone émis par les centrales, récupérer le gaz carbonique des centrales à combustible fossile pour le stocker dans des réservoirs souterrains ou sous-marins. C'est un principe simple, mais la mise en œuvre est complexe et pour l'instant, il y a des projets pilotes, mais il n'y a pas d'application commerciale. Alors, dans le scénario à 2 degrés, j'ai insisté sur le fait que la courbe, elle descendait. Ça risque d'être quelque chose dont on a besoin. Ça n'est pas de la géo-ingénierie, c'est vraiment de ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire essayer de capter, de moins en émettre en mettant en place des dispositifs qui récupèrent le CO2 dès la cheminée pour éviter de l'envoyer dans l'atmosphère. Alors évidemment, après, pour le stocker, il y a quand même un problème avec des incertitudes sur la géologie, les capacités de stockage, sur les risques d'accidents, etc. Enfin, c'est quelque chose sur lequel les gens travaillent. Utiliser des ressources fossiles moins émettrices. Alors, typiquement, le gaz naturel à cycle combiné, ça peut réduire les émissions de moitié. Ça reste néanmoins des énergies fossiles, donc qui de toute façon s'épuiseront. Et ces estimations qui disent qu'on va avoir des émissions de moitié, elles n'incluent pas les flux de gaz naturel et en particulier du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre lors de l'extraction. Et c'est aussi le cas sur les gaz de schiste, en fait. Beaucoup de fuites de méthane ont lieu lors de son extraction et donc il est au moins aussi polluant que le charbon. Et donc tout un débat sur les économistes, les géologues, etc. est en cours pour savoir si on sait que la piste des gaz de schiste, elle est quand même pas l'Eldorado qui était promis et ça pose en plus d'autres problèmes dont on pourra reparler lors du débat. Sur les transports. Alors, je vous ai mis ici un transport avec un embouteillage de voitures et évidemment, je n'ai pas pu me retenir de vous mettre un parking à vélo de Copenhague. J'insiste sur le fait que Copenhague, c'est une zone de météorologie particulièrement agitée, ventée, pluvieuse. Et malgré tout, c'est la ville du monde qui a le plus... Les Danois, c'est le pays du monde qui roule le plus en vélo. Voilà, ils sont équipés, ils ont les pistes cyclables, ils ont tout. La voiture aujourd'hui, c'est presque 70% des distances parcourues par les particuliers. Et on peut remplacer par plein d'autres moyens. Bon, les transports ferrés pour aller acheter son pain, ce n'est pas idéal. Mais pour aller un peu loin, c'est bien. Les transports partagés, évidemment, les covoiturages et tous les transports collectifs, marche à pied et vélo. Aujourd'hui, à Toulouse, je ne sais pas à Rennes, mais le Toulousain moyen fait 3,5 km de déplacement. Il les fait en voiture. Il pourrait très bien les faire en vélo. Surtout que j'ai dit qu'il pleuvait, mais il fait quand même bien meilleur que dans d'autres régions, et en particulier qu'au Danemark. Moins se déplacer, évidemment, réfléchir au télétravail. Donc tout ça, ce sont des solutions qui ne sont pas très, très compliquées à mettre en œuvre et qui sont extrêmement urgentes. Et je vous ai dit que la France, fallait qu'elle se bouge sur les transports. Changer les modes de transport des marchandises. Alors évidemment, il y a le fret, pas de fret aérien, plutôt du fret terrestre. Et dans le fret terrestre, il vaut mieux le faire par le rail que par la route. Et le transport par avion peut, quant à lui, être remplacé par du transport ferré ou maritime. Et le transport maritime, ce que j'ai voulu vous représenter avec ce porte-container, c'est que la masse et le volume transporté par kilo de CO2 émis est quand même bien supérieur à celui d'un avion. Même si il faut aussi que le transport maritime fasse un gros effort là-dessus. Et évidemment, si on ne transporte pas, c'est encore plus pratique, donc privilégier les circuits courts. Pour les transports, donc diminuer l'usage des carburants fossiles dans les transports, donc il y a des options technologiques. Sur ma région, dans le cadre de cette agence de l'innovation, j'ai beaucoup travaillé sur le développement d'hydrogène, qui, à mon avis, va être la molécule révolutionnaire du transport et même des énergies de demain. Et donc, il y a beaucoup de développement actuellement avec la batterie à combustible, à condition, alors il faut que l'électricité qui permette de faire tout ça ne soit pas produite à partir de ressources fossiles. Mais on a la possibilité, avec des options technologiques, de développer des nouveaux
des nouvelles énergies. Et l'hydrogène, c'est quand même assez merveilleux parce que ça n'impacte absolument pas l'environnement, sauf pour fabriquer les batteries. Donc, il faut encore travailler sur améliorer les batteries. Il faut déployer plus largement les systèmes et infrastructures dans lesquels toutes ces nouvelles technologies s'insèrent, et en particulier les bornes de recharge. Évidemment, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de pompe à hydrogène, s'il n'y a pas tout ça, ça ne marchera pas. Une rupture technologique ne marche que si on met en place et qu'on prévoit l'infrastructure. Et là, en ça, l'anticipation politique à cet égard est extrêmement importante. Je ne suis pas sûre qu'elle soit présente, par contre, aujourd'hui. Augmenter l'efficacité énergétique des véhicules. On a de nombreux moyens. Et là aussi, quand je vois sortir le dernier SUV qui va révolutionner le précédent SUV, j'ai beaucoup de mal, moi, à comprendre la logique de nos constructeurs auto, parce que je pense qu'ils auraient tout à fait intérêt, au contraire, à nous faire des voitures qui consomment moins et ces gros machins qui transportent une personne, souvent. Ça me paraît souvent très aberrant. Les besoins... Alors, c'est extrêmement important. Pour les avions et les transports lourds, le carburant représente un tiers du coût d'opération des frets routiers, 40% du fret maritime et 55% de l'aviation. Donc là, il y a encore des grosses marges à gagner. Alors, il faut qu'on fasse attention. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si vous avez des voitures qui consomment 2 litres au 100, mais vous en achetez 10 fois plus, ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. Habitat, et j'ai quasiment terminé. L'habitat, on peut intégrer le changement climatique à la conception des bâtiments. C'est l'idée que dans 30 ans, 40 ans, il fera plus chaud, donc il faut penser à construire des maisons aujourd'hui qui tiendront, qui prendront ça en compte. Évidemment, réduire les consommations d'énergie des habitants, des bâtiments. L'isolation et la domotique pourrait baisser la consommation des bâtiments par 3. Vous savez que si on isole tous les bâtiments en France, c'est-à-dire si on joue vraiment là-dessus, c'est 45% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont éliminées. C'est-à-dire qu'on émet beaucoup moins. C'est ce que l'on appelle la sobriété. Et c'est une des choses les plus faciles à mettre en œuvre, en fait, puisqu'on sait déjà faire ça. Ça ne nécessite pas des grands développements technologiques. Et donc, je disais, les constructions qui doivent anticiper les changements climatiques à venir. Et évidemment, rénover l'existant. Le renouvellement du parc de logements en France, c'est moins d'1% par an. Donc, les 3/4 des logements de 2050 existent déjà. Donc, il faut anticiper en les rénovant aujourd'hui pour avoir des résultats significatifs sur les émissions de gaz à effet de serre. En Asie et en Afrique, l'équivalent de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise est construite toutes les 2 semaines. Ou encore 5 fois l'équivalent de l'Île-de-France construite chaque année. Donc là aussi, il faut qu'ils construisent en ayant cette anticipation. Et toujours sur l'habitat, alors isolé, alors ça c'est un message que je fais dans tout, surtout que moi je l'ai fait, et puis qu'est-ce que je m'en félicite tous les jours. Bien isoler une maison, c'est des économies, c'est une maison infiniment plus confortable et les coûts des travaux est remboursé entre 5 et 15 ans. Alors ça demande d'investir une somme, ce qui peut être difficile. Donc, il y a des mesures politiques à mettre en place, prêt à taux zéro, certification, etc., toute une aide, éco-chèque, pour que les gens puissent se lancer dans des travaux d'isolation. Et de toute façon, dans les nouvelles lois sur la transition énergétique, tous les responsables des collectivités devront isoler les bâtiments HLM, bâtiments publics, etc., etc. Penser l'urbanisme de demain. Alors, je vous illustre ça avec deux villes d'aujourd'hui. Ici, cette grosse tache très étendue, c'est Atlanta. Et la petite tache à côté, c'est Barcelone. Et il y a 2,8 millions d'habitants à Barcelone. Il y en a 2,5 à Atlanta. Alors, ça vous donne une idée. Atlanta, donc, va s'étendre à peu près sur 200 km de long. Hein, donc, on est bien obligé de prendre sa voiture pour aller acheter le pain. Alors que Barcelone, et bien les transports en commun, enfin tout est beaucoup plus facile, évidemment, pour le maire de Barcelone, la maire de Barcelone, de passer de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais cet étalement urbain, c'est terminé. Il faudrait arrêter. Malheureusement, ça pose le problème du prix du foncier, de l'évolution de l'agriculture. On en débattra. Agir au quotidien, éteindre les lumières. Vous savez que les veilleuses, c'est toutes nos veilleuses en France, c'est 2 centrales nucléaires. Donc, des petits trucs qui clignotent, les équipements en veille, fermer les volets, etc., ça peut être jusqu'à 50% de la consommation énergétique.
Chaque degré de baisse de sa température de chauffage, c'est 7% d'énergie économisée. Je vous dis tout ça parce que dans le cadre du train du climat dont a parlé tout à l'heure en m'introduisant, les gens nous disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Et on voit bien qu'il y a des choses que l'on peut faire isoler ou agir au quotidien. Évidemment, on ne va pas vous demander de refaire le plan d'urbanisme de la ville de Rennes, mais j'espère qu'il y a des gens dans la salle qui y travaillent. Agriculture et alimentation, pour finir, il faut limiter la compétition pour les terres cultivables. D'une part, pour les villes, d'une part, et évidemment, pour tout ce qui, actuellement, elle est partagée entre divers usages, l'alimentaire, l'énergétique, le récréatif. Et la demande alimentaire va croître, parce que la population va croître. Donc, il faut absolument privilégier cette partie-là. Donc, densifier les villes, prioriser les cultures, faire des villes en transition. Et puis, les cultures, il faut les adapter au changement climatique. On estime que les rendements mondiaux devraient baisser, surtout dans les pays du Sud, de l'ordre de 50%, et voire localement plus, dans le cadre du scénario du laisser-faire. Certes, en Sibérie, on risque d'avoir des rendements qui augmentent. Mais ça sera petit par rapport à la baisse, donc la baisse en moyenne, elle sera mondiale. Donc il faut garder la capacité de manger, parce que c'est quand même une fonction première de l'humanité. Et donc les nouvelles pratiques agricoles, c'est pas ça. Je vous ai montré les deux images ici, parce que la permaculture qui se développe beaucoup actuellement, j'ai appris en regardant le film Demain, que je recommande vivement, que en associant des tomates en liane qui protègent des plantes basilic et puis avec des arbres au-dessus qui maintiennent une certaine humidité, enfin on arrive à avoir des rendements de l'ordre de 59 000 euros pour le 1000 mètres carrés, ce qui est ce que l'on a ici pour 10 fois plus à 50 fois plus de surface lorsque l'on a des armadas de tracteurs qui pulvérisent des pesticides, etc., qui sont en plus extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là aussi, il faudrait faire une croix et revenir à des pratiques alimentaires et des pratiques agricoles plus vertueuses. Alimentation trop riche entraîne une augmentation de gaz à effet de serre. Donc, en fait, j'ai mis changé de régime alimentaire et puis j'ai effacé avec mon image. Vous avez deux menus ici. Un menu dans lequel vous avez un litre d'eau de ville, une cuisse de poulet, des haricots verts frais et un petit verre de Côte-du-Rhône quand même, parce qu'il ne faut pas s'ennuyer. Et il émet 20 centilitres d'essence. Et vous avez le menu 2, c'est un litre d'eau minérale, 150 g de bœuf, 200 g de haricots surgelés, un quart de... J'arrive pas à lire. Ah bah oui, toujours, le petit Côte-du-Rhône, parce qu'il ne faut pas s'embêter. Eh bien, le menu 2, il émet autant de gaz à effet de serre que de brûler 2 litres d'essence. En fait, c'est la production essentiellement de viande et le fait d'avoir des haricots verts surgelés, qu'on a peut-être transportés de loin, qui vont expliquer la différence des gaz à effet de serre entre ces deux menus. Donc, évidemment, on va privilégier plutôt les œufs, les fromages, la volaille. Pour finir, parce que tout ce dont je vous parle là, ce sont des choix qui paraissent raisonnables, mais c'est aussi des choix de société. Et ces choix de société nécessitent un débat. Si le Danemark, depuis 20 ans, a mis en place, et la ville de Copenhague, a mis en place des nouvelles façons de vivre et surtout d'économiser l'énergie et de moins émettre de gaz à effet de serre et de mieux transporter les personnes, c'est aussi parce qu'ils ont un système de démocratie locale et participative qui marche beaucoup mieux que le nôtre aujourd'hui en France. Je n'y mets aucun jugement, c'est juste un constat. Et donc, en fait, il faut à la fois du débat public et il faut comprendre qu'on rentre dans une société en transition, parce que depuis 2000, les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent de 2,5% par an, parce que l'objectif de limiter à 2 degrés va requérir qu'elle diminue du même taux chaque année. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à moins 40% en 2050 entre 40% et 70% de moins par rapport à 2010. Il faut rediriger, alors ça c'est vraiment un choix extrêmement important, rediriger les flux financiers vers les technologies bas carbone. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre quelques chiffres. Sur 1 200 milliards de dollars aujourd'hui, 550 sont consacrés à l'extraction des ressources fossiles et 130 dans les ENR, dans les énergies renouvelables. Pardon. En 2030, il faudrait investir 300 milliards de plus par an dans l'efficacité énergétique, 100 milliards dans les énergies renouvelables et 120 de moins dans les extractions et 60 de moins dans les centrales thermiques.
ralentir. Évidemment, on ne va pas tout arrêter du jour au lendemain, il n'en est pas question. Mais il faut considérablement ralentir pour arriver un jour à s'en affranchir. Plus de la moitié de ces besoins d'investissement supplémentaires doivent avoir lieu dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est un débat qui a eu lieu au moment de la COP. Il faut réorienter l'investissement vers des investissements bas carbone. Ça commence doucement. Mais il faut aussi mettre en place des politiques climatiques à l'échelle mondiale et il faut travailler sur l'équité entre le Nord et le Sud. François Gémen insiste, qui est un politologue, sociologue, il insiste énormément sur le fait qu'on ne réussira la transition énergétique que si on accepte de partager beaucoup plus notre planète de façon équitable et d'arrêter d'aller chercher notre uranium, notre machin, etc. sur des pays auxquels on ne laisse pas grand-chose et sur lesquels on s'est développé. Donc, il faut que ces mesures soient adoptées dans le monde, alors à la fois donc organiser cette coopération internationale, mais aussi tout un travail sur des systèmes d'échange de quotas, normes d'émissions de CO2, efficacité énergétique, etc., qu'il faut mettre partout en place dans le monde. Je vous donne à titre d'exemple la taxe carbone en Suède. Depuis 1991, elle est de 115 euros à la tonne de CO2. Je ne reviendrai pas sur le triste épisode des bonnets rouges ici, mais on a vu une baisse des rejets des Suédois de 15% entre 1991 et 2011. Et en France, la taxe carbone, aujourd'hui, elle est à 14,50 euros. Elle était en 2015 et elle ne bouge pas beaucoup. Elle augmente très peu par an. Et enfin, cette coopération internationale, elle est indispensable. Je vous ai dit que si ça avait été un succès, c'est parce qu'on n'a pas demandé, on n'a pas exigé des pays de ce qu'on appelle le top-down, c'est-à-dire depuis des gouvernants qui savent, vers des gouvernements à qui on avait l'air de donner des leçons. En arrivant au débat, vous devriez faire ça. On leur a demandé de s'engager le plus possible en fonction de leurs moyens sur ce qu'ils pourraient faire. Et à cet égard, il y a eu énormément de travail qui a été fait en accord avec les pays du Sud. Et donc, les pays les moins riches doivent accéder à un financement international de leur politique d'atténuation, d'où la création d'un fonds vert que les pays développés devront verser aux pays en voie de développement, qui est d'au moins, c'est un seuil plancher, 100 milliards de dollars par an. Et voilà, j'ai pour la partie conférence, j'ai terminé. Ben merci à vous d'avoir pris le TGV pour venir jusqu'à Rennes. Le programme de la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup à Franck et à Jérôme qui nous ont bien aidés dans cette soirée, comme d'habitude. Et puis à l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Et puis à l'équipe vidéo, donc, qui va vous permettre de revoir cette conférence dès demain sur le site de l'Espace des Sciences. Merci, bonsoir, j'espère à la semaine prochaine. À bientôt.